Bonjour à tous mes amis, salut à mes fans, à tout le monde là, voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Alors chez moi c'est dimanche matin, voilà. Et je venais vous souhaiter un bon dimanche, hein, même si vous êtes déjà sur le lit, c'est déjà la nuit. Mais c'est toujours dimanche, sans oublier de rendre toujours grâce à Dieu. Bon, moi je suis un peu trop fatigué, hein. Je suis vraiment, vraiment, vraiment fatigué. Je suis sorti hier, voilà, on s'est un peu amusé, ça m'a fait du bien, voilà. Donc, je voulais juste vous faire un petit coucou, voilà, et de vous souhaiter un très bon début de semaine par anticipation, voilà. Parce que c'est très important de le souhaiter. Je suis toujours dans mes combats, vous me dites toujours que non. Elle ne sort jamais, elle est toujours à la maison. Elle est toujours à la maison, elle est toujours là. Elle fume le banga, elle fume ceci. Voilà la cigarette que je fume. Marlboro, voilà ça. Et si vous m'avez déjà payé une drogue un jour, vous me dites, d'accord? Ou bien si on a déjà fumé ensemble, tu me dis, tu envoies les photos, tu envoies les vidéos. Parce qu'apparemment, vous êtes maintenant des champions et des championnes à balancer des vidéos. Mais on connaît tout ça là dans Facebook, que ce n'est que des histoires que, non, que vous racontez. Hein? Vous copiez des images, vous-même d'abord qui parlez de ces vidéos-là, vous-même d'abord, vous êtes des patrons et des patronnes à trafiquer les images, à faire des trucages, à faire ceci et tout cela. Vous-même, vous faites ça. Mais vous dites, c'est vous qui dites encore que non, ce sont des faux trucs. Parfois même, on peut même dire même que c'est monté par vous. Je vous connais, hein? Personne n'est enfant sur des réseaux sociaux. Personne n'est enfant de, je vous rappelle ça. D'accord? Parce que les mêmes personnes qui accusent, les mêmes personnes-là peuvent toujours être des auteurs. D'accord? Et moi, j'ai quelque chose dans ma tête. Je regarde, j'observe. Et quand je sors pour parler, je parle, hein? D'accord? Voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Tout en vous disant que, voilà, hein, la collecte est ouverte parce que il me faut payer ma maison là. Vous voyez un peu, non? Il faut payer la maison dans un système. C'est une façon de parler. Parce qu'on ne peut pas venir comme ça là. Donc, ma maison est là. J'ai besoin toujours du secours. Le dernier jour, c'est demain. Faites aussi quelque chose. Faut pas que je crie tous les jours. Faites aussi quelque chose. Faites. Envoyez. J'ai besoin. Faut pas que je me retrouve homeless là ou bien que je me retrouve par rapport à par rapport. Bref, j'ai envoyé le mot, vous avez compris. Pour les cœurs sensibles, pour les gens bien qui ont aidé et qu'on a aidé, qui ont un cœur, faites-le. Et je vous ai dit, je vous ai dit et je vous ai répété. En rendant service à quelqu'un, c'est à vous-même que l'on vous ait rendu service. Physiquement, vous m'avez rendu service, financièrement. Mais c'est à vous-même que vous vous rendez service. Donc, j'ai vraiment besoin de votre service et faites-le parce que j'ai vraiment besoin de vous, s'il vous plaît. Bon, pour le reste, je vais aller continuer parce que c'est dimanche. Je vais aller, moi, le dimanche, je passe toute ma journée à chanter, voilà, à louer. C'est important. Et à fumer la cigarette aussi. Bon, que tu me pardonnes, hein. Allez, portez-vous bien. C'était juste un coucou de la Mexicaine, la pute des putes, la pute de luxe. Pas n'importe quelle pute, mais la pute de classe. Et les amis là, qui se disent qu'on est amis. Nous ne sommes pas amis, hein. Ne dites pas là que non, nous sommes amis. On n'est pas amis. Il y a des fausses personnes ici. Des fausses personnes. Hein? Quand tu lui demandes que non, aide-moi. Il va dire que non, je suis en train de aider ma copine, ou bien je suis en train de aider ma femme, ou bien je suis en train de aider telle. Vos choses là, on connaît ça. J'ai trop envoyé chez les enfants, j'ai trop envoyé chez telle. Là, le message là, vous connaissez à qui je m'adresse. Bref. Je m'arrête par là. Portez-vous bien et s'il vous plaît, pensez à moi parce que j'ai besoin de vous. Merci beaucoup. Très bon début de semaine. Gros bisous de la Mexicaine depuis les USA. Bisous, bisous. Que Dieu vous bénisse et merci encore de me suivre.